Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons eu une invitation de ma petite soeur, de Trésor et Tempo. Elles nous ont invité de venir prendre un petit pot avec eux. Donc nous sommes comme ça en train de sortir, c'est vrai qu'il se fait tard. Mais on va vite faire rentrer avec le petit, avec la petite Andrea. Donc la famille, comme vous voyez, il se fait un peu tard, mais on ne pouvait pas manquer à cet appel. Donc on va aller vite faire et puis on va rentrer avec la petite. Il ne faut pas qu'elle traîne trop dehors. C'est pas la famille. Likez, commentez, partagez pour agrandir notre belle communauté. On compte sur vous. Hein les gars? Bon, moi j'ai fini de m'apprêter. Monsieur continue avec vous. Elle s'apprête depuis qu'elle s'apprête. Elle a dit qu'elle devait être prête avant moi. Voilà ça, elle met les habits, elle change. Ceci ne me suffit pas, ceci me sert, ceci fait, ceci cela. C'est ça, pas ça, de fait, ma faute, ça fait à la troisième fois qu'elle s'échange. Regarde, nous on t'a attendu, l'enfant transmet même déjà. Ok les gars, restez scotchés. On va faire le. On va vivre cette invitation ensemble. Vous allez voir ce qu'on va manger là-bas, ce qu'elles nous ont gardé et comment le bébé va se comporter là-bas. Tout et tout, et on va rentrer. Alors, à tout de suite. Ouais, bro. On est que tout dehors. Je te dis. Yes. Ah, bon, je suis là. Mais c'est juste la coupe. Mais que tu es un nouveau. Que tu es un nouveau. Allez, avant son pays là. Non. Ah ouais, ici. On entre. Tu commences. Tu commences. Vous nous avez condamné avec les enfants. Oui les gars, nous sommes là, on est en train de patienter, on vient d'arriver, on a la recette en main, on essaie de voir, on a le menu en main, on essaie de voir ce que tout un chacun doit manger. Et entre temps, bébé Nancy est en train de me fuir. Je ne sais pas si bébé Andrea, quand elle va être grande, elle va aussi fuir les gens comme ça. Mais regardez comment elle cherche à prendre la photo avec elle. Elle fuit. Elle ne sait même pas que je suis son tonton Chocoué. Ok, là, on a déjà choisi les menus. Et bébé Andrea est en train de jouer avec maman. Elle va même vous parler d'un moment à l'autre. Donc, on a passé la commande. On est en train de patienter. Voilà le jus qu'ils sont d'abord venus nous donner. Bébé Nancy est en train de boire. Mais nous avons fait presque 2 heures de temps, sans vous mentir. Sans que on ne vienne nous servir. Bon, c'est un restaurant que je suis déjà allé une fois avec madame. Et on avait apprécié. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé le jour où je suis parti avec Trésor et Tempo. Je ne sais réellement pas ce qui s'est passé parce que nous sommes arrivés là autour de 22h. 22h, on a passé la commande. Imaginez-vous qu'on nous a servi. Chérie, c'était avec elle. Minuit. Voilà donc. Imaginez-vous qu'on nous a servi vers minuit. Comme on comptait rentrer tôt à la maison avec bébé Andrea, ça n'a pas été le cas. Trésor s'est tellement fâché. Heureusement que je ne faisais que lui dire que s'il faille qu'on quitte dans ce restaurant pour aller manger ailleurs,
on va encore arriver là-bas, perdre le temps. Nous, on a passé nos commandes. Patientons juste. On a patienté, on a fait presque 2 heures de temps sur place sans qu'on ne vienne nous servir. Je te dis, ils sont venus à la base nous donner les jus pour calmer le Benancy parce qu'elle pleurait déjà. Bon, au final, les commandes sont venues. Mais avant que ces commandes n'arrivent, j'étais même déjà allé en bas. J'ai mis la pression pour que ça vienne. Mais regardez vous-même. Les pommes qu'ils nous ont données, ce n'est pas ce qui était sur le menu. Sur le menu, ça avait l'air d'une quantité un peu plus grande que ça. Mais bon, on n'avait pas le choix. On a mangé. La mère est en train de gronder. Elle est en train de gronder bébé Andrea, qu'elle ne mette plus les mains dans la bouche. Vous savez, quand un enfant met les mains dans la bouche, c'est pour prendre les microbes. Bon, là, on mange. Les trésors n'ont pas mangé parce qu'elles ont mangé avant de venir. Et après ce rendez-vous, elle et son mari devraient aussi aller ailleurs. Bon, elle m'a dit qu'elle partait en boîte. Elle m'a dit qu'elle partait en boîte. Je les ai même demandé que vous partez en boîte, vous allez mettre bébé Nancy où. Mais elle m'a quand même dit qu'elles ont une solution. Bon, il menaçait même de pleuvoir dehors. Mais au final, on a mangé. J'étais là avec mon petit frère. On a mangé et Trésor et Tempo sont partis. Ils nous ont laissés. Par derrière, on a encore fait peut-être, disons, 30 à 45 minutes. Voilà nous trois qui restions. Nous quatre avec bébé Andrea. Voilà mon petit frère, ça c'est Marc. De la page Marc et Daniel, nous sommes restés dégustés. Et j'avais franchement faim. Hein. Ce que j'ai mangé, même ça ne m'a même pas suffi. Mais comme Madame Florence avait déjà cuisiné à la maison, nous sommes rentrés. J'ai continué à la maison malgré qu'il se faisait tard. Bon, moi, il n'est pas un problème. Ceux qui mangent tard et ça les donne le poids là, moi, il n'est pas un problème. Je suis d'abord trop sportif. Donc, même si Marita, ça ne me dérange pas. Bon, là, bébé Andrea, elle joue avec maman. Elle ne dort pas malgré l'heure. Bon, là, on a fini de manger et on est rentré. Les gars, nous sommes de retour. Bon, je retire d'abord le reste qui est sur ma bouche. Bon, c'était là, on a aimé. C'était en famille. Il y avait mon petit frère Marc. De la page YouTube Marc et Daniel avec Trésor, comme je vous ai dit, Trésor et Tempo. Bon, la soirée elle était bonne. Bon, c'est vrai que le restaurant que nous sommes allés, le service n'a pas vraiment comme on s'attendait. Ça nous a pris presque 2h30. Nous sommes arrivés pour nous servir, c'était le problème. On a passé la commande, on a patienté. Bon, c'est pas grave, on a fini quand même par concocter un petit truc. Et Trésor et Tempo sont même partis avant nous parce qu'elles étaient très pressées et elles sont loin. Et tout ça, toujours à cause du service. Bon, présentement, Madame Florence est en train de téter le bébé pour la faire dormir. Donc, elle est en train de téter Andrea pour qu'elle dorme. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo, les gars. Commentez la vidéo, likez, donnez-nous vos impressions en commentaire et n'hésitez pas de partager, que ce soit sur vos statuts. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.